L'albumine, c'est quoi ? Comme on l'a vu, l'albumine, c'est 60% des protéines du plasma. Elle a en charge le transport de substances telles que les hormones, les enzymes, les acides gras et même des médicaments ou des toxines. Pourtant, son rôle principal est ailleurs. Dans le système circulatoire, le cœur et l'ensemble des vaisseaux, elle maintient des niveaux d'eau appropriés. En jargon scientifique, on dit qu'elle régule la pression oncotique. Donc, si le taux d'albumine est faible, l'eau n'est plus maintenue dans les vaisseaux et fuit vers les tissus. Cela donne un œdème. Normalement, en 3 jours, le taux d'albumine remonte et le niveau d'eau revient à la normale. Mais dans certains cas plus sévères, grand brûlé, soins d'urgence ou des maladies du foie, une perfusion d'albumine peut être nécessaire. Vous le voyez, l'albumine est un acteur essentiel de notre système sanguin. Alors maintenant que vous avez tout bien compris à l'albumine, allez jeter un œil aux autres épisodes de la série « Les pouvoirs du sang ».